ce Batman, même quand on veut l'imiter, ça marche pas. Regardez-moi tout de suite. J'ai l'air beaucoup moins classe, comme justicier masqué. Ça fait plus Fatman que Batman. Marcus lui aussi, il a une marque mobile rouge. Mais bien sûr, mon Jean-Pat, c'est Jean-Pat qui réalise aujourd'hui et non pas Pierre Boulet. On va voir comment ça se passe. Le jeu s'appelle Batman Vengeance et c'est sur PlayStation 2. Et regardez bien, il y a une demoiselle en détresse, attachée les mains dans le dos, avec une bombe à retardement. Je le décris puisqu'on est dans le noir, ça fait très Batman. Mais oui, ça se passe toujours de nuit à Gotham, toutes ces aventures. Donc il y a une demoiselle en détresse, attachée juste à côté d'une bombe à retardement. Il va falloir qu'on aille la sauver, le jeu démarre tout de suite. Regardez comme c'est joliment bien fait. On peut même régler la luminosité, mais je vous conseille de laisser la luminosité pas assez faible finalement, pour mieux profiter. Regardez ça, des décors de Gotham la nuit. C'est assez réussi, vraiment. Gotham City, c'est la ville de Batman, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et le jeu est tiré, en fait, pas du film de Tim Burton, entre autres, mais j'ai dit Tim Burton parce que les Batman de Joel Schumacher sont déjà un peu plus limites et assez mauvais, alors que ce Tim Burton était quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas le Batman de Tim Burton, c'est le Batman de la série animée, l'une des dernières en date, vraiment très très réussi. C'est pas non plus le Batman, souvenez-vous, le vieux, avec des collants, avec le fameux Robin et ses collants tout verts. Ils étaient assez ridicules tous les deux. Batman un peu grassouillet comme moi. C'était à la grande époque, c'était dans les années 60-70. Il était un peu ventripotent, Batman. À l'époque, c'était un film. Là, le mieux qu'on ait en ce moment, c'est cette série animée qui est vraiment très très réussie graphiquement. Regardez le look qu'il a. Ils ont vraiment respecté le look, la cape, regardez comme elle bouge en fonction de la façon dont je me déplace. Je peux même m'en servir pour planer un petit peu. Et puis, il a vraiment le regard de Batman, alors que moi, j'ai pas du tout. En tout cas, il est classe le costume, il n'y a pas que le costume qui est classe. Le jeu est pas mal du tout, en fait. Je trouve ça assez sympa. Je le dis tout de suite, je préfère Spider-Man dans le genre adaptation de BD et de dessin animé à l'écran. Spider-Man est beaucoup plus réussi, mais on se marre bien avec Batman quand même, c'est assez bien foutu. Là, il va falloir que je repère l'endroit où est cette demoiselle en détresse. Je crois que je suis pas très loin. Regardez, le générique continue pendant ce temps-là. Ça, c'est une bonne idée de vous laisser manier le personnage tout en vous expliquant, voilà, avec des petits panneaux comme ça. Clac, on vous explique ce qu'il faut faire. Et en même temps, ça fait le générique d'intro. Ouais, je suis tombé près de ma... C'est pas du tout ça, le costume, en fait. Bon, c'est avec un vieux collant de pauvre gobelet en plastique. On fait comme on peut. Alors que lui, il a quand même plus de classe que moi. Ça, c'est clair. Oh, n'empêche que c'est moi qui l'ai sauvé la fille. Regardez, il reste pas beaucoup de temps, la bombe à retardement va bientôt exploser, donc il faut que je trace. Je trouve que c'est super comme façon de commencer un jeu. On vous met tout de suite dans l'ambiance. Ah, elle flippe comme jamais, la pauvre petite dame. Alors vite, 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 on va la sortir de là. Voilà, on va planer jusque là pendant que le générique continue. Et on va se sauver le plus loin possible de la bombe. T'as vu comment il cavale? Ouais. Alors là, c'est une petite scène cinématique. Ça va péter. Planquez-vous. Attention. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et boum, ça explose. Vraiment la classe, ce Batman. Voilà. Alors là, moi, je peux juste diriger les caméras, les mettre à droite, à gauche. J'ai rien à faire. Je fais du surf sur le béton. Il est quand même très doué, ce Batman. Regardez, ça explose de partout. C'est quand même super spectaculaire. Donc vraiment, il est impressionnant graphiquement. Mais il se trouve qu'au niveau de la jouabilité, c'est pas tout à fait ça. C'est assez limité, assez linéaire finalement. Il y a toujours des endroits où il faut aller de manière très très précise. Alors que dans Spider-Man, on pouvait se balader vraiment dans la ville partout où on voulait. Vous avez vu, il a un bat de grappin. Il n'a que des bat trucs. Il a la bat mobile, le bat de grappin, la bat meuf. Enfin bref, il a tout ce qu'il faut. Et tout ça, c'est très bat, comme disent les jeunes. Voilà, regardez, c'est le Joker. C'est lui l'audio responsable de cet attentat. J'adore le Joker, quoi, il m'en fout là-dedans. Il a des sbires qui sont complètement idiots, qui demandent des augmentations, il les frappe à grands coups de maillet. Enfin, c'est vraiment bourré d'humour et assez bien foutu. Mais donc la petite limitation, c'est qu'on ne peut pas aller vraiment où on veut avec le grappin. Je parlais du bas de grappin tout à l'heure. Il ne peut s'accrocher qu'aux endroits prévus à cet effet. Alors que dans Spider-Man, on pouvait vraiment aller se balader un petit peu partout. Ouais, vous allez voir, j'ai beaucoup comparé Spider-Man et Batman dans ce level 1 parce que vraiment, c'est deux trucs assez comparables. Et vraiment, on se marre mieux avec Spider-Man. Bon, allez, je fais un test comparatif. Après tout, c'est je sais pas si c'est légal chez nous, la publicité comparative. Je crois pas qu'on ait le droit. Aux États-Unis, ils ont le droit. Si, tu peux. Je peux, mon Jean-Pat? Bon, très bien. Donc, faire la pub comparative avec Spider-Man, Batman, Iron Man, Jean-Jacques Goldman, tous les super-héros qu'on connaît. Je vais vous dire lequel est le meilleur. Pour moi, c'est Spider-Man. Mais bon, c'est aussi parce que c'est mon préféré dans la BD. J'adore Spider-Man, le côté un peu
un peu loser quand même, qui reprise ses chaussettes lui-même, qui a pas de sous pour s'acheter de la toile et tout ça, ça j'aimais bien. Batman, c'est un gosse de riche, un milliardaire, alors on se sent moins proche forcément. C'est Bruce Wayne, je crois. C'est un playboy milliardaire avec une petite moustache. Ah ben non, il a pas de moustache en fait. Non, je confonds avec Iron Man qui a une moustache. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ça me reviendra au fur et à mesure. Bon, allez, c'est pas le tout. On a encore des. Ah, mais non, j'ai pas mis de carte mémoire. Alors, qu'est-ce que tu veux sauver ? Non, on va pas sauver, on va continuer tout droit. Oui, la carte mémoire, ça permet de sauvegarder à chaque étape du jeu et de recommencer là où vous avez échoué lamentablement. Pour le moment, on va aller. Oh, dans la Batcave. On va voir la Batmobile, mais on n'a pas les clés pour le moment. On peut pas encore l'utiliser. Ça viendra peut-être plus tard. Là, on va subir une phase d'entraînement, ce qui est pas mal puisque ça va nous permettre de voir un peu toutes les capacités de Batman. Ça va vous donner une idée. C'est vraiment la loose, mon costume. Je vois ça à l'écran là. Les gobelets, ça fait plus un lapin ou un truc, on se demande ce que c'est, mais pas tellement une chauve-souris. Ah, oh yes, à Batmeuf. Elle est mignonne en plus. Sure. Is she in some kind of trouble? It's the Joker. And maybe more. Something about this woman doesn't add up. Voilà, vous avez entendu, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Ce qui est un bel effort, puisque sur Dreamcast et PlayStation 2, ils se donnent pas toujours le mal de sous-titrer. Ils se donnent pas toujours la peine de sous-titrer. Et bien là, c'est en français, comme ça on comprend tout bien ce qui se passe. Et heureusement, parce que le maniement de tous les gadgets, vous allez voir qu'il y en a un paquet, le maniement du gadget est quand même assez complexe. Donc il faut vraiment apprendre les choses. Regardez, la Batmobile ! Bon, on va juste la mater, parce qu'on peut pas la prendre. C'est juste histoire de faire la super caisse. Moi, ma Marcus Mobile, c'est une pauvre 106, ça va voir. C'est pas terrible, terrible. Alors que regardez, une voiture comme ça, ça a quand même la classe. Voilà, je peux même sauter par-dessus. Bon allez, c'est pas le tout, faut que j'aille à l'entraînement. Donc ça doit être juste en dessous, si je ne m'abuse, il doit y avoir un petit passage, voilà, par là, toc, qui mène à la deuxième partie de la Batcave. Je vais prendre le Bat-ascenseur, je vais réouvrir la Bat-porte, voilà, et j'arrive dans le Bat-centre de Bat-entraînement. Avec la voix de Alfred, je crois qu'il s'appelle mon serviteur, c'est lui qui me sert d'assistant, d'écuyer un petit peu, comme dans les comme au temps des chevaliers. Il y a toujours ça, j'ai remarqué dans les trucs du super-héros. Zorro et la Bernardo, Batman, il a Alfred, ils ont chacun leur truc. Donc voilà, là j'ai le bat grappin. Alors regardez, je peux passer en mode subjectif, et changer d'arme. La matraque, les filets pour attraper les méchants, on peut leur mettre des bat-menottes aussi. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Voilà, donc là j'ai le grappin. Voilà, je vais récupérer, regardez, mes petites armes sont sur la plateforme, je vais aller les chercher. Mais avant, ce que je vais faire, je vais aller dans les options, comme ça on les verra au passage. Regardez un peu tous les gadgets qui sont disponibles, c'est vraiment super étonnant. Bon, un téléphone portable, tout le monde en a un, mais des bat-menottes, c'est chouette. Des batarangs, c'est des espèces de boomerang shuriken, il y a des filets, le bat-grappin, il y a des jumelles pour essayer de voir un peu plus loin, des charges électriques, enfin vraiment, il y a plein de trucs. Ce que je voulais faire, moi, c'était aller dans les options pour enlever, inverser, de... non, c'est pas la luminosité, je suis monté d'un cran, voilà, je fais... arrêt pour inverser le viseur. Voilà, comme ça, regardez, quand je pousse vers le haut, mon regard se lève vers le haut, et quand je pousse vers le bas, mon regard se met vers le bas. Et là, justement, ce que je voulais faire, c'était lancer le grappin. Regardez, c'est classe quand même, hein ? Pas mal foutu. Donc très bien, je vais planer jusqu'à la petite plateforme en bas. Voilà. Et je récupère... des batarangs. C'est des poissons qu'on lance. Ça venait dans le Muppet Show, il y avait un lanceur de poissons bulgare, un type avec une grosse collerette, qui lançait des harangs, un numéro de cirque assez spécial. Et ben voilà, je vais faire pareil, je vais lancer des batarangs. Sauf que quand c'est Batman qui le fait, c'est la classe, alors que dans le Muppet Show, c'était vraiment la loose. Bon, alors justement, ça va nous permettre de voir un peu comment ça fonctionne. Regardez, là je vais changer d'arme, là j'ai le bat grappin. Ah oui, les jumelles, juste vite fait, histoire de vous faire voir. Ça permet vraiment de zoomer, voilà. De zoomer plus ou moins, voilà, regardez, je peux aller là, jusque là, ressortir, etc. Donc vraiment, tout un tas de gadgets rigolos. C'est ça qui fait un peu le charme, je trouve, de ce jeu, c'est l'utilisation de tout un tas de gadgets. Alors, moi, je voulais utiliser les batarangs, s'il vous plaît, monsieur. Faut que je cherche dans mon petit inventaire. Voilà, batarangs, ils sont là. Et je vais tirer sur les cibles, vous voyez, c'est tout simple, ça se met en rouge. Tac. Dès qu'une cible est accessible, ça rime en plus. Voilà, on va viser ça comme ça. Je suis vraiment à un centimètre, hein. C'est pas très... Bon, merci Alfred. C'est pas très classe comme façon de s'entraîner. Bon, maintenant on va s'entraîner au coup de poing, coup de pied. Vous allez voir que c'est assez pratique. On peut friter des méchants. Il y a quelques coups spéciaux. Vous en apprendrez d'autres au fur et à mesure. Voilà, on peut donner quelques directions histoire de frapper un peu plus fort. Voilà, on peut sauter au-dessus aussi, c'est joli. Bon, je vais tout faire au point, ce sera plus simple. Vous voyez, en haut à droite, il y a la barre de points de vie de cette espèce de truc d'entraînement.
Voilà, bien laté. Oh, merci Alfred. Alors là, il va m'expliquer que je peux faire des trucs de discrétion un peu comme dans Metal Gear Solid. Il y a des moments où il faudra vous planquer un petit peu. Et alors oui, il faut que je vous fasse voir absolument un truc parce que moi j'ai bloqué pendant une heure et j'arrivais pas à passer. On le verra pas là parce que c'est dans un niveau un peu plus loin. Il y a un moment où vous tournez en rond dans un niveau où vous n'arrivez pas à sortir. Il y a une espèce de caisse avec des batarangs qui est dans un coin, coincé entre un camion et une espèce de gros container. Et le truc, c'est que vous n'arrivez pas à passer, il n'y a pas moyen de ramper, etc. Donc regardez, là, je me suis plaqué contre le mur, je suis tout maigre. Et donc, pour passer ce niveau-là où j'étais coincé, moi, il faut se plaquer contre le mur et passer entre le camion et le mur. Oui, là, j'évite habilement le laser, parce que de profil, on est plus maigre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à franchir la fin de ce niveau, parce que moi, je tournais en rond, je ne savais pas où aller. Et en fait, c'était tout bête, il suffisait de se plaquer contre le mur. Ah oui, c'est ça, c'est cette touche-là pour appuyer, voilà. Il suffisait de se plaquer contre le mur pour le passer. Donc je vous donne le tuyau, j'ai tourné une heure et demie en rond pour rien. J'ai même appelé la hotline de l'éditeur pour avoir le renseignement d'ailleurs. Entre parenthèses, ça a marché. Tiens, pour une fois qu'une hotline marche bien, autant en profiter, les mecs ont été très sympas. J'ai dit que j'étais Marcus de Game One, remarquez. Donc ils ont peut-être eu pitié, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont aidé plus vite que n'importe quel gars. Donc mon astuce du jour, faites-vous passer pour moi si vous appelez une hotline. Ça marche parce que tout le monde sait à quel point je peux être mauvais. Donc voilà. Allez, regardez, il y a un petit tremplin là. On va se jeter dans le vide et on va apprendre le vol plané. Donc il y a une touche pour piquer et aller plus vite et une touche carrée, voilà, pour ralentir. Donc là, il faut que j'aille sauver. Regardez, il y a un truc qui est tombé là. Je sais plus si c'est un mannequin ou quoi. Il faut que je le rattrape avant qu'il touche le sol. Ouais, j'ai réussi à le choper. Juste et je me récupère avec mon bas de grappin. Donc il y a pas mal de choses à faire entre les batarangs, le bas de grappin, les filets, les menottes. Il y a pas mal de trucs. Bon, là on a encore mon entraînement, il faudrait qu'on passe assez vite au mode. On va y arriver d'ailleurs, au mode action vraiment pur et dur. Trouver sa meuf. et vous verrez que c'est pas. On peut pas aller partout où on veut dans Gotham City, moi c'est le reproche que je ferais. C'est très linéaire, du coup c'est un peu plus facile que Spider-Man puisqu'il y a qu'à suivre la voie qui est toute tracée. Mais on s'amuse un petit peu moins. Je trouve qu'il est plus dur aussi que Spider-Man. Il y a des méchants. Le premier méchant que vous rencontrerez, c'est le Joker. Vous êtes en haut d'un immeuble, il y a des grues. Lui, il est sur une espèce de gros boulet qui se balance. Comme il y a du brouillard, on ne voit jamais le boulet arriver. C'est assez difficile. Donc c'est un peu pénible. En plus, ce qui est compliqué, c'est de jeter des batarangs en mode vue subjective. Ça, c'est un peu pénible. À chaque fois, être obligé de passer en mode vue subjective. Donc il y a des trucs de jouabilité qui ne sont pas top. Je vous recommande de l'essayer avant de l'acheter. Vous verrez, peut-être ça. Peut-être la mobilité vous gênera pas. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu limite, un peu poussif, un peu pato. C'est pas fluide comme Spider-Man. Décidément, je l'adore, Spider-Man. Encore un truc que j'ai acheté avec mes sous dans la vraie vie. ça arrive pas souvent que j'achète des jeux, en fait. Il y a eu Burnout ce mois-ci et Spider-Man 2 la dernière fois. Donc vraiment, c'est pour ça que j'en dis autant de bien. C'est pas parce que je suis payé par Monsieur Spider-Man. C'est juste que, voilà, on peut comparer ce qui est comparable. Là, c'est deux adaptations de comics assez populaires. Une qui est très très réussie, donc Spider-Man, et là celle-là qui est moyennement réussie à mon goût. Mais bon, c'est vrai que ça reprend le dessin animé, et le dessin animé est très très fort graphiquement et tout, avec des bonnes idées. Regardez, voilà, il y a les sbires, je sais pas si c'est là où ils demandent une augmentation, c'est peut-être un peu plus tard. On va écouter les voix parce qu'ils sont vraiment très très réussis. Yeah, well, boss, a couple of guys and I were thinking that since we're fighting the bat and all that, maybe we're not getting paid as much as we should. Ah bah c'est là, la petite augmentation. Regardez comment on traite les gens qui demandent une augmentation. C'est pareil à Game One. Le gourdin, moi. Et voilà, tada! Ils font bien la paire, tous les deux là. Je sais pas comment ils s'appellent, je connais pas beaucoup la série. J'avais juste vu, j'avais acheté la cassette vidéo Batman contre le fantôme, qui était pas mal du tout. Ça a l'air d'être une très très bonne série. You're the best. Ah voilà. Un petit couinement comme ça. Ils font un charmant petit couple, je trouve, tous les deux. Oh, j'aurais pas dû garder ma montre. Ça, c'est Batman n'a pas de montre. Il a une Batmontre sûrement, mais il a pas. Ça se voit un peu, ouais, ça se voit un peu trop. Je vais la mettre sous la cape. On y croit, hein, quand même, franchement, les costumes de level 1, c'est de mieux en mieux. Bon, alors attention, soyons prudents, ne nous jetons pas dans le vide bêtement. Un truc que j'ai un peu tendance à faire. Donc cette fois, ça y est, on est lâché. Et je me voilà dans les rues de Gotham. Donc en tout cas, sur les toits des bâtiments de Gotham. Donc vous voyez, je peux un peu regarder partout. Mais par exemple, là, je ne peux utiliser le bas de grappin que à l'endroit prévu à cet effet. Donc je vais chercher le bas de grappin. Voilà. Et regardez, il n'y a que là que je peux l'accrocher. Alors que dans Spider-Man, j'aurais pu l'accrocher absolument n'importe où et me balader avec ma... J'allais dire ma liane, avec ma toile, absolument où je voulais. Ouh là là, ça y est, ça commence à friter. Allons-y. J'adore la tenue des méchants, c'est vraiment original. C'est un peu l'air de cake, mais bon, c'est des sbires du Joker.
Donc voilà, regardez, pour l'empêcher de relever, je peux lui mettre les menottes. Allez hop, police, menottes, prison. Alors que si je le fais pas, au bout d'un moment, oh là là, j'ai été un peu présomptueux de faire ça. Au bout d'un moment, ils se relèvent et ils peuvent revenir vous frapper un petit peu. Donc il vaut mieux leur mettre les menottes de temps en temps, plutôt que les laisser libres. Enfin là, j'avais pas besoin puisque je passe d'un immeuble à un autre, donc normalement, j'ai pas besoin. Voilà, ça y est, bien frité. Allez, on va pas lui mettre les menottes à celui-là. On va s'en passer. Voilà, on va par contre utiliser le bat grappin. Chic alors, qu'est-ce que c'est bat? Tout ça, c'est du vocabulaire de vieux. Aujourd'hui, on dit c'est trop de la balle. Mais le trop de la balle grappin, ça sonne pas bien. Alors que le bat grappin, ça sonne bien. Est-ce que j'en viens pas de là? Je m'y perds un peu, ça se ressemble un peu, toutes les rues de Gotham. Voilà, est-ce que c'est par là? Je sais plus. Si, ça doit être par là. Donc il y a des petites séquences un peu plateforme, vous voyez, où il faut essayer de pas trop tomber dans le vide. Et puis des séquences de bagarre, tout ça se mélange un petit peu. Et c'est entrecoupé de chouettes scènes cinématiques. Oh, il a vu quelque chose. On a pas du tout le même regard tous les deux. Même si je fais des gros yeux blancs, ça marche pas. Oh, mais elle arrête pas de se faire enlever, se faire courir après, elle est pas douée cette gonzesse, c'est pas possible. Oh, on va aller là, vite, on va aller la sauver avant que ce level 1 s'achève, puisqu'on est presque à la fin. En tout cas, vous avez compris l'idée. Je suis pas hyper fan hein, de ce Batman, je préfère vraiment Spider-Man. Mais il y a des trucs rigolos, pas mal d'action quand même, pas mal de trucs à faire. Et des bat gadgets, on les aura pas tous vus, on aura juste vu le grappin, j'ai même pas utilisé les batarangs encore. Donc voilà. Mais bah essayez-le, peut-être qu'il vous plaira ce brave Batman. Où est le truc à grappin, s'il vous plaît, monsieur l'agent? Veuillez m'indiquer le bat grappin le plus proche. Voilà, c'est par là. Bon allez, c'était Bat Marcus sur Batman Vengeance sur Bat PlayStation 2. On se retrouve bientôt pour des level 1 encore plus bat. Soyez sages, ciao.